est intéressant avec l'œuvre de Liu Fan, c'est que ce qui l'intéresse plus, c'est peut-être l'art et pas vraiment l'œuvre d'art. Il a une conception très humble de la création artistique. Finalement, quand on regarde une œuvre d'art, on ne voit pas l'art, on voit simplement l'œuvre. Et l'art, il se crée dans notre esprit, dans l'interaction, dans les réflexions que l'on peut mener quand on regarde une peinture et particulièrement quand on regarde ses créations à lui. Dans son parcours personnel, il commence par étudier les arts plastiques. Et son père lui demande de se rendre au Japon auprès de son oncle. Et au Japon, il va s'intéresser à un nouveau domaine, la philosophie. Et là, il s'épanouit complètement dans l'étude de la littérature et dans l'étude de la philosophie. Donc c'est quelque part dans sa formation, avant tout un philosophe. Et sa création artistique est en réalité un support à sa philosophie. Et d'ailleurs, il est assez difficile de pouvoir discerner clairement où s'arrête le peintre et où commence le philosophe et vice-versa. Ses œuvres sont des supports à la réflexion philosophique sur des thèmes qui l'intéressent et des thèmes qui sont assez récurrents dans son œuvre, comme le temps, l'espace, l'apparition, la disparition. Toutes ces questions-là, on les retrouve à la fois dans ses sculptures, dans ses écrits et dans sa peinture. Ce qui est intéressant dans l'œuvre de Liu Fan, c'est que des thèmes qu'il utilise depuis très longtemps deviennent de plus en plus contemporains. Le temps et l'espace sont des problématiques aujourd'hui fondamentales. Et même au-delà de ça, il y a une vraie réflexion sur la présence de l'œuvre d'art. Liu Fan est un artiste très souvent en réserve et en retrait. Il a un regard très critique sur une vision romantique de la peinture où l'artiste doit coloniser la toile entière et l'occuper entièrement de son ego. Il ne fait jamais cela. Il n'utilise pas la totalité de la toile, il l'utilise simplement par points qu'il va répéter, qui vont disparaître pour laisser réapparaître la toile vierge d'origine. Donc il est vraiment dans une économie de moyens. Il appartient au mouvement pictural du Mono-A japonais, qui est un mouvement qui s'intéresse à la pauvreté des matériaux, un petit peu comme l'arte povera italien. Et cette caractéristique, on la retrouve tout au long de la carrière artistique de Liu Fan dans l'utilisation de matières très simples, comme la pierre, le verre, le sable, des couleurs monochromes. La toile est peinte de manière tout à fait révélatrice de la pensée et de la philosophie de Liu Fan. C'est-à-dire qu'il va élaborer un geste qui sera répété et avec beaucoup de respect et beaucoup de retenue et d'économie de moyens. Il utilise une brosse qui est chargée de pigments. C'est un pigment minéral orange qui est mélangé à une colle animale. Ce pigment minéral va être accumulé sur la brosse et ensuite il va poser le premier point, donc qui est très chargé en matière. Sans recharger le pinceau, il va poser le second point, toujours sans recharger le pinceau, le troisième, le quatrième, le cinquième, peut-être le sixième si nécessaire, puisque ce qu'il cherche, c'est épuiser la totalité des pigments qui sont contenus sur la brosse. Donc au final, on a un motif, un point qui disparaît, et en même temps, la toile qui apparaît dessous. Et il y a un phénomène de répétition qui fait penser au temps, qui, bien sûr, qui se répète sans cesse, comme les jours se répètent, comme les saisons se répètent. Les points se répètent, et en même temps, ils ne sont jamais les mêmes. Donc il y a ce temps qui est vraiment représenté dans ce motif qui se prolonge et qui se répète sur la toile et qui correspond totalement à cette idée de l'exposition de 2019 et surtout de son titre, Habiter le temps. C'est une véritable habitation, représentation du temps dans cette peinture. Cette peinture a été peinte à Paris parce que Liu Fan, en 1971, participe à la Biennale de Paris et elle porte son nom, donc elle appartient à une série qui s'appelle From Point. Cette série From Point est une des principales séries de l'artiste. Il va décliner donc le motif du point tout au long de la surface de la toile selon une technique qui lui est très propre et qui s'enracine à la fois dans les thèmes qui intéressent l'artiste, à savoir l'apparition, la disparition, l'espace vide, l'espace plein, mais aussi des techniques comme l'usage de pigments minéraux, les techniques de peinture qui sont assez proches de celles de la calligraphie. Donc l'œuvre rassemble seule beaucoup des éléments et des grands traits de caractère de l'œuvre de Liu Fan. C'est un petit peu comme une concentration et personne n'a eu l'occasion de voir cette toile auparavant. Le métier de la vente aux enchères nous confronte beaucoup au passé.
il y a une véritable respiration pour moi quand je vois de l'art contemporain. Il y a une bouffée d'oxygène sur l'histoire qui continue, un présent qui se construit, un futur qui existe avec de nouveaux artistes. Il y a de nombreux artistes qui sont aussi des historiens de l'art, des théoriciens. C'est le cas de, par exemple, César qui avait fait l'école du Louvre. C'est le cas de Liu Fan qui est un philosophe, qui est un poète, qui a une véritable profondeur intellectuelle immense. Son œuvre peinte, c'est presque la face visible d'un iceberg philosophique, en quelque sorte.